Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog sur la chaîne d'Elissa. C'est bien mon bébé, tu te gardes. Aujourd'hui c'est moi qui vlog sur la chaîne d'Elissa parce que on est dimanche. Je vlog pour Elissa parce que c'est un dimanche un peu charnière pour elle. Bientôt il y a son projet qui se lance, vous êtes sûrement au courant. Et du coup aujourd'hui c'est grosse journée de travail pour elle, toute la journée à la maison. Oh trop belle. Et du coup je vais vlogger pour elle aujourd'hui parce que je vais m'occuper de la petite toute la journée. C'est qui la petite? C'est moi. Voilà, comme ça elle aura du temps pour elle aujourd'hui pour travailler tranquillement. Et moi je vais m'occuper de la petite, on va aller se promener sûrement après. Du coup aujourd'hui c'est moi qui vous emmène avec nous. Appuie sur le bouton bébé. Voilà. Tourne. Non, tu fais pas bobo toi, parce que t'es grande maintenant. Ouais, moi je fais pas bobo. Parce que tu arrives trop bien à conduire maintenant. Et voilà, on recommence, changement de véhicule, maintenant c'est la trottinette. Pourquoi c'est la trottinette? Parce que ça te plaît la trottinette. Montre comme tu en fais bien. Waouh. Tu es vraiment devenue grande. Hein. Allez, on fait de la trottinette. Tapis. I never thought you'd leave, but now I can't eat. Bon, je suis allé un peu me promener avec Ella dans le village. Elle adore se promener dans le village, donc ça c'est super agréable. Que ce soit pas un enfant, reste là, Ella. Ah, il y a la grille, c'est vrai. C'est super agréable d'avoir un enfant qui ne veut pas rester tout le temps enfermé à la maison, devant la télé, etc. Elle demande. Ella, non, là il n'y a pas de grille, tu donnes la main, papa. Viens. Elle demande tout le temps. Ouais, mes cheveux, faites pas attention, je sors de la douche. Hein. Elle demande tout le temps d'aller se promener dehors et tout, donc c'est bien. Elle aime bien son petit moment dessin animé le matin, mais là. La petite tête. C'est trop belle. Elle adore son petit moment dessin animé le matin avec le petit déjeuner, avec le bibi. T'as bien regardé les dessins animés? Oui. Mais après, une fois que le bibi est terminé, elle veut toujours aller se promener, donc c'est cool. Ah, Flappy, oui, il est dans la forêt. Il est où, Flappy? Il est dans la forêt. On va aller le voir? Oui. Allez, viens, on va se promener dans la forêt. On se promène dans le maquis. Et là, on va faire quoi là? On va. Champignons. On va chercher des champignons. On va voir s'il y a déjà quelques champignons qui ont poussé. Parce que ça, c'est un petit coin, un champignon habituellement. Mais je pense pas que pour l'instant. Et oui, on est bien. Je vais la prendre au bras pour prendre cette pente là derrière. La pauvre, elle n'arrivait pas à monter. Donc là, on est dans le maquis de mon village. Et c'est un endroit où je jouais énormément quand j'étais petit. Beaucoup, beaucoup avec tous ceux que vous commencez à connaître. Hein. Avec Bib, avec Sako, ben, tout ça. On joue énormément ici, du coup. Je trouve ça marrant que Ella vienne jouer ici aussi. C'est sympa. Bon, on s'est arrêté voir Vincent en 5 minutes. Évidemment, Ella, du coup, elle est repartie avec du nougat, des bananes. Elle a bu une grenadine. Incroyable, c'est l'embouteillage au village en plein hiver, jamais vu ça. Nougat. Eh oui, le nougat. Qui c'est qui t'a donné le nougat? Vincent, mon ami, travaille, qui était aussi le témoin de mon mariage, pour vous remettre un peu les choses en place, si vous n'avez pas trop suivi, vu qu'on est sur le vlog d'Elissa, c'est vrai, pas le mien. Vincent adore les enfants, comme nous tous, hein, mais lui, il est éducateur aussi, il travaille avec les gosses et tout. Quand il voit Ella, à chaque fois, il la gâte. Donc, elle adore Vincent, forcément. Tu l'adores, Vincent? Oui, je l'aime, Vincent. Tu l'aimes? Oui. Elle est trop gentille. Oui. Et là, on retourne à la maison parce qu'il doit être pas loin de midi et papa, il va faire à manger. Bon, alors, vous l'aurez bien compris, je pense, aujourd'hui, je vais être un petit peu absente, je pense. Je reprendrai le vlog plus tard parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail par rapport à mon projet, etc. Là, on est dans la dernière ligne droite, donc voilà. Là, on a un petit Nicou qui nous fait à manger. C'est bon, ça a l'air bon pour vous. Ça a du poulet pour vous? Du poulet, ouais.
Et du coup, moi, je mange une galette. Super. Il y a des épinards là-bas. Merci. Et du coup, cet après-midi, vous faites quoi? Je sais pas encore, je n'ai pas eu le livre de personne. Ouais. Bon, vous allez voir. Normalement, ils voulaient y aller avant cette forêt, mais bon. Moi, je reste à la maison aujourd'hui. Boulot, boulot. Bon, je fais une pause dans mon boulot. Il est 16h, il a servi la sieste. Je fais une pause. Enfin, une pause. J'arrête ce que je suis en train de faire pour tourner une vidéo avec Nico et Ella que je dois tourner depuis 2 jours et que j'arrive pas à tourner. Du coup, on la tourne et après, je pense qu'eux, ils vont aller se promener. Et moi, je vais me remettre sur l'ordi. T'as bien fait dodo? Oui. C'est belle. Moi, il a dit maman. La vidéo sera en ligne. On va décorer les citrouilles. Et je pense que ça risque d'être assez drôle parce que c'est une chose que je n'ai jamais faite. Et je suis pas du tout manuelle. Donc, je pense que je vais galérer. C'est pas grave. On verra qui aura fait la plus belle. Ce sera déjà en ligne sur ma chaîne. Bon, je continue le vlog. Lisa va rester travailler à la maison. Et nous, on va où, Ella? À la fête forêt. Et ouais, on retourne à la fête forêt. Et à la fête forêt. Tiens, à tout à l'heure. On arrive où? On arrive où? Au baguette. T'as pas peur? T'as peur ou pas? C'est grand, hein. C'est parti. Voici le départ. Allez, bon voyage. Attention, tu sais, il va vite là. Hein. Attention, attention. On est où, bébé? Au Burger King. Attention, tu donnes la main à papa, il y a des voitures. Hop, l'autre. Voilà. J'adore mon mignon. Tu adores ton mignon? Oui, parce que là, on lui a acheté un ballon de baudruche en mignon. T'es contente? Oui. Et maintenant, on va au Burger King. T'es contente? Oui. On mange où? Au Burger King. C'est là où tu es en train de manger maintenant. Et tu manges quoi? C'est pas bien. Des frites et des nuggets. J'ai une caméra. Tu donnes des frites à la caméra? Oui. Bon, on est reparti du Burger King. Je sais pas si vous voyez, je suis envahi. J'ai un ballon en forme de mignon. Et là, elle est ici. Tu montres ta montre, bébé? Waouh! Son cadeau de la box du Burger King. Donc elle était gâtée. Une petite montre princesse et un énorme ballon mignon comme ça qui se promène dans la voiture. Voilà, on va rentrer à la maison voir maman, d'accord? Montrer mon bracelet à maman, montrer mon mignon à maman. D'accord. Toi maman mon amour, qu'est-ce que t'as fait alors comme manège? J'ai pris le ballon et le ballon. C'est un cerf-volant. C'est un cerf-volant? Ballon. C'est un cerf-volant, c'est ballon? Quoi? Ça, c'est pour pas que le ballon il s'envole. Tu racontes à maman, t'as fait quoi comme manège? J'ai fait le train. Le train, oui. Avec papa. Avec papa. J'étais à fond. T'as été à fond? Moi, j'ai posé mes pieds. T'as posé tes pieds? Oui. D'accord. Et après? T'es montée sur le manège toute seule aussi? T'es montée dans quoi? T'es montée dans une voiture, dans un camion, dans quoi? Dans un camion. Dans un camion. Un quoi? Camion bronzé. Un camion bronzé? Elle vient d'où cette montre? Moi je crois. De Boulogne. Burger King? Oui. Bon, je vous retrouve maintenant, il est minuit. Je vous ai complètement abandonné aujourd'hui, je suis désolée, mais c'était la grosse journée. Avancement aujourd'hui. On a vraiment mis un gros coup de boost aujourd'hui. Enfin, surtout moi, parce que Gaëlle, elle a mis un coup de boost depuis longtemps, mais moi, j'avais beaucoup de retard sur le projet. Il fallait vraiment que je fasse certaines choses en grande priorité. Vous voyez le bordel de toute la déco du mariage là? Oui, ça aussi, c'est un truc que je dois faire. Donc voilà, bon, en tout cas, tout est fait. Enfin, on a une partie du projet qui est clôturée officiellement.
Là maintenant on a une autre partie qui commence, mais ça va être cool. Donc bref, de toute façon il reste que quelques jours, le décompte a commencé. Tout vous sera dévoilé vendredi. Je suis trop excitée. Aujourd'hui j'ai eu des moments, je savais pas si je devais rire ou pleurer. J'avais envie de sauter partout, mais j'avais envie de pleurer en même temps. Enfin bref, voilà, c'est un peu la panique. Donc du coup je vais vous laisser. En tout cas Nigo il s'est occupé d'Ella toute la journée, il a géré comme un chef, franchement. Ils se sont bien amusés, elle était trop contente de passer la journée avec son papa, donc c'était bien aussi pour eux deux. Et puis moi ça m'a fait du bien d'être vraiment seule, quand je suis vraiment seule à la maison, qu'il n'y a pas la petite qui peut rentrer dans le bureau n'importe quel moment, je suis pas coupée parce qu'on me pose des questions, des trucs et tout, là j'ai vraiment, je me suis concentrée et voilà. Donc je vais vous laisser, je vais aller me coucher, en espérant qu'Ella ne se lève pas à 7h à cause du changement d'heure. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le liker, ça fait toujours plaisir, à le commenter et à surtout à vous abonner si c'est pas encore fait à ma chaîne et aussi à la chaîne de Nico. Il y a deux vidéos super sympas d'Halloween avec Ella, si vous les avez pas vues n'hésitez pas à aller les voir, ça lui fera plaisir. Je précise aussi avant que j'oublie qu'il y a un concours sur l'Instagram de Nico actuellement pour gagner deux paniers de produits Bio Village de chez Leclerc. C'est en cours jusqu'à aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo, jusqu'à 21h. Donc surtout si ça vous intéresse n'oubliez pas de participer, il suffit juste de commenter la photo, donc c'est super simple et rapide. Vous avez le lien de l'Instagram de Nico en commentaire, en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bref, avant que j'oublie. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.